Rassemblons ici depuis 2010 pour commémorer les anciens combattants de la force publique, pour rappeler leur mémoire, parce qu'il faut savoir que ce sont des gens qui ont combattu en portant le drapeau belge, et ils ont honoré ce drapeau, ils ont à chaque fois gagné des grandes batailles, que ce soit en 14-18 ou en 40-45, il faut savoir que ce sont les premières batailles gagnées face aux Allemands. Et puis, ce sont des gens qui, en dépit du fait qu'ils savaient qu'ils avaient été enrôlés de force, n'ont pas hésité à combattre. Ils n'ont pas refusé. Ils sont allés sur tous les fronts, toujours avec l'esprit de combativité. Et aujourd'hui, nous remarquons que lorsqu'on organise les commémorations de par le monde entier, aucun pays, ni les États-Unis, ni la France, ni l'Angleterre, ni même la Belgique ne parle des anciens combattants congolais. Nous vivons en Belgique, nous avons des enfants qui grandissent dans ce pays. Il est important que notre jeunesse connaisse son histoire pour pouvoir être stable et ne pas être ébranlée par plusieurs choses qui se déroulent. Les jeunes ont encore parlé, il y a le racisme qui est là, on leur reproche, on vous dit que vous mangez le pain des Belges. Quand on regarde et qu'on refait les calculs, refaire les calculs, on verrait que le Congo a contribué énormément à la stabilité, à la paix dans le monde et a généré énormément de bénéfices à certains. Ou dans certains lieux. Ils avaient des noms. Quelques noms vont être cités dans le public. Papa Loenga, Albert Kouyoukou, Daniel Boutil, Vuka Bedi, Otenga Luambo Luc Hubert, Chiananga Thomas. Moudibani Duval Philippe, Mokumbo Edmond, Nimbongo Pierre, Dandolo. Gradé d'élite. Jérôme Sindano, Martin Kapuya, premier sergent-major Mwendi, premier sergent affilié Issa, sergent Bongo Gonzague, premier sergent-major Marcel Mété, Georges Delipa, Kitenge Mokompiana, Kamisisi Ludina Malabo et Paul, Luambo Lokanga François, Kalombaï Constantin, Kongolo Philippe, Ilawamba Inoudi, Isidore Tebabadi. Sergent-major Kodja, sergent Mamboumou,
premier sergent Makassi, Ekuta, soldat de première classe Ganga, et premier sergent Barassi. Premier sergent Bepela, caporal Massingada, Mokanda, Pataki, Jamba, Dekamaru. Ekoli, Alikana, Sanduruna, soldat de deuxième classe, Momboka, soldat de deuxième classe, Fambonda, soldat de deuxième classe, Mambinza. Amota, Saboni, Zarami, Lubiriza, Gilagaya, Honoré Koulou, Paul Panda Farnana, Albert Koudjabo, Antoine Manglouki, Jean Fausté, Augusta Chiwi. JPLMB, membre effectif de l'ASBL Change depuis 2013. Donc voilà, l'ASBL a pour but de faire davantage connaître l'Afrique à tout Africain, même toute autre personne désireuse d'en savoir plus, justement nous permettre de nous cultiver, parce qu'on se rend compte que malheureusement, dans les cours d'histoire, on ne nous a pas appris beaucoup de choses concernant l'Afrique. Et aujourd'hui précisément, on rend hommage aux anciens combattants, ceux qui ont combattu justement pour l'Europe, pour la Belgique, qui ont quelque part donné leur vie, qui ont tout sacrifié et qu'on oublie un peu. Et donc c'est vraiment important. Et puis de toute façon, toujours imposer ses frontières, non. On est tous des Africains, des Congolais, on a l'esprit de famille. Donc voilà, il faut suivre, marcher sur leurs traces et justement se rendre compte que nous, quelque part, on est privilégiés parce qu'on n'a pas connu tout ça. Et on peut apprendre les choses quelque part dans un climat, malgré l'insécurité qu'il peut avoir à certains moments, dans un climat plutôt relax. Cette mémoire indirecte pour amener leurs paroles, leurs voix dans la grande histoire. Ça nous appartient à nous de ne pas les oublier. Donc en tant qu'Africains, nous avons ici la noix de cola qui fait partie de nos traditions que nous allons perpétrer aujourd'hui, Nous avons aussi le vin de palme. Comme il se doit, nous allons d'abord saluer les ancêtres. Moi, je vais parler en Tuluba. C'est une langue nationale. Merci, maman. Bantambo Betu. Nous, nous avons fait un boulot de bémou. Boualoum, nous avons fait un fika. Tout dit, moi, Béou. Boualoum, tu m'as dit. Tout le monde est sans ou. Kayanda Kenu. Machienu, Kayikadi Makweka Tchanana. Nous tous les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Kayanda Kenu. Mbote. Amujambo. Amujambo. Amujambo wazazi. Aksanti sana. Mbote, mbote. Mbote na banka. Matondo, matondo mingi. On a manso vino bosala. Tokobo sanabinote. Matondo, toi ça qui dit là. Absenti sana. Par rapport à l'événement d'aujourd'hui,
c'est la date qui est importante, c'est le 11 novembre 2019. Nous sommes venus ici pour commémorer le sacrifice de nos ancêtres, donc les soldats de la force publique. La force publique, c'était cette armée coloniale. Tous les soldats étaient congolais, tous les soldats étaient noirs, les officiers étaient blancs. Et c'est cette force publique qui s'est illustrée dans des batailles très 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 importantes pour la Belgique. Ce sont nos papas, ce sont nos ancêtres, ce sont nos mamans, ce sont la jeunesse de l'époque qui ont payé le prix le plus fort, c'est-à-dire le prix de leur vie, le prix du sang, pour libérer la Belgique, d'abord de l'occupation allemande et beaucoup plus tard du nazisme. C'est pour ça qu'on est venu ici. Le plus important pour nous, ce n'est pas simplement le souvenir. Déjà ici, je voudrais rendre hommage à deux vivants, parce qu'on rend beaucoup hommage aux morts. Il y a encore deux vivants. Donc il y a le caporal Albert Kouyoukou et puis il y a le caporal Daniel Mouiki. Ils sont tous les deux vivants. Il y a un monsieur formidable, un journaliste qui vient de réaliser un film en leur honneur. Ce film sera projeté le 13 novembre, donc dans quelques jours, au Hall de la Gombe. Ça sera gratuitement à Kinshasa, que tout le monde aille voir. Pour honorer nos papas, ce sont des gens qui se sont battus, qui n'ont reçu aucune solde, aucun remerciement, aucune reconnaissance. Et nous, comme on l'a dit, c'est que les hommes meurent deux fois. La première fois, c'est la mort physique. La deuxième fois, c'est quand on cesse de parler d'eux, c'est quand on les oublie. Alors on ne peut pas les oublier, ils sont encore vivants, 97 ans, 94 ans. On ne peut pas oublier leur sacrifice. Il faut les soutenir, il faut soutenir cette cause. On doit en parler à nos enfants, aux enfants de nos enfants, pour qu'ils sachent qu'en Europe, nous ne sommes pas des indésirables, que notre sang a coulé pour libérer ces contrées, que nous avons notre place ici. C'est avec notre sang qu'on a écrit des pages très très importantes de l'histoire de l'Europe, de l'histoire de la Belgique. Donc c'est grâce au Congo, grâce aux combattants congolais, que la Belgique a hérité des cantons de l'Est, Eupen, Malmedy, Saint-Vite. Nos statuts ont des papiers, nos statuts sont choyés. On sait vous dire que ce masque-là, on l'a pris en 1912, que celui-là, ça vient d'OTAN. Ils sont répertoriés, ils sont choyés, on prend soin d'eux. Mais ces statuts-là constituent également une diaspora. Et c'est une diaspora sélective, comme on pratique l'immigration sélective. Quand on a besoin des médecins, on veut bien prendre certains médecins noirs. Quand on a besoin, on prend ce dont on a besoin, et ce visiblement, on dit qu'on n'a pas besoin, on ne prend pas. Alors qu'on sait que partout, l'immigration a toujours contribué au boom économique et profite aux locaux. Et donc, à l'Iboso, il y a que tout Salima Kambo et Opo, Toye Baliboso, Bissito à l'Anabiso. Et Lelo, Namukoloa Lelo, Tozo Salango Poto, tout comprendre, tout manyola, makambo et zole kana lelo. Mais c'est vrai que pour Namikoloa lobby, pour l'avenir, et ça pour Tomi Lengele. Donc, et c'est n'est l'abiso Tomi Lengele. Ce qui est bon à l'abiso, il y a des motouya, il y a des motouya, il y a des motouya, il y a des motouya. Kizunguzungu abana baninga po bazo yebate biso photo beta tolo photo tombola mutu ya solo na komiki tisa mais il faut le kumu wana lolendo wana ezala to yebake toza batu pambate to sali mingi po na mboko. Alors moi je m'appelle Dadi Mbumba, je suis un artiste, je suis conteur africain et alors par rapport à l'événement, je soutiens Bakushinta de maman Georgine Dibois, parce que Bakushita, ça veut dire je me souviens. Souviens-toi, Antiluba. Je pense que tu m'as aimé que tu m'as dit que tu m'as dit que tu m'as dit que. Mais il faut que tu aies dit que tu as 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 dit que. Parce qu'il faut reconnaître que quand on a mis sur l'ancien combattant, il y a Belgique. Et bah koufa ke belé, ça sacrifice moumène. C'est pour cela que ton sang a négocié, bah ça a toujours la pensée envers Kokoana et Abiso Babundaka. C'est comme ça que Nga Ipe n'a moni que non, il faut absolument la Zala, place où on a n'engé qui a Asbel Change, organisé et l'Okoyo.
Il faut la zangater dans la zone parce que c'est très important. C'est très important. Tobo Sadate, bisous de vivre. Mais l'homme, bisous de Rosalaté. Sauf que vous avez mis sur Rosalamalamouté. C'est pour cette raison que tu y es pour commémorer le 11, l'engue des alliés armistice. Le 11 novembre, tu es bien haut, mais ils allaient surtout pour la Okanisaba. Papa Nabiso, oh Babunaka. Et il faut savoir que Balaksaki, bravo d'Abango, pour la Robunda. Tozana, Sosa, Sayo, Gambela, tout ça, Babala, les Anakichasa, ils allaient ma place sur ma victoire, et encore pour la mission à Zalaka. Basala, Baba, remportaka, dans le cadre de la force publique. Il y a voilà, effectivement, il y a Kiawa, pour la Osangalaba, Neko, pour la Osangalaba, il y a pas Oana Babundaka, Naipe Nazali, Koko Mokope, parce que Koko la Bisope, Babundaka, surtout l'Équateur, nous on s'en a fait force publique, Babundaka, la Ebele, Bazarana Kati. Donc voilà pourquoi tu as dit que commémorer au Awa, et que même la bande nous loupe, Bazarana nous loupe, Bazarana qui est Ebele, Naba, Bande Gobert, Bicolo, Bissou, Soupe, Bazarana qui, et y a un il faut ensemble, Bissonioso, et la Balou, Bakong, Bangala, Baswahili, Toya Awa. Poto honorer mémoire Yaba, quand on a vu ce Babundaka, et bah honora Bissou. Merci. Juste de vous dire qu'on a un peu, il y a du café, il y a du thé, quelques beignets pour ceux qui veulent.